mais un pays délabré, où tout est à refaire. L'emploi, les logements et les équipements sociaux. Les logements sont insuffisants pour des familles nombreuses. Quand les enfants grandissent, on ne sait plus où les mettre. Les équipements sanitaires sont insalubres. Rien ne marche. Il n'y a plus d'eau. Non, il n'y a plus d'eau. D'habitude, l'eau est coupée à partir de 4 heures. Là, il est 2 heures. Et déjà, il n'y en a plus. Et tous les jours, c'est comme ça. Pour boire, on doit remplir ses bidons. Tous les matins, on les remplit. Elle vit ici, sous un escalier de la Casbah, avec 6 jeunes enfants. Un trou, sans électricité et sans eau. Bien sûr, l'arrivée du fils est un espoir que ça change. Bien sûr, le nouveau gouvernement, dirigé maintenant par Mouloud Amrouche, annonce des réformes profondes et radicales. Mais le temps presse. On ne peut pas attendre, il y a tant à faire. ما طلبتش حاجه كبيره. اصلاحات بلسان يقول لك كل ترنان كتيبه. كان عارف نقول لك اصلاحات الدنيا، مين بصح باش يطبق لك ما يطبق لكش.